Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vous propose un vlog nature, c'est autour du lac Gérardmer. Bon, c'est pas vraiment la nature sauvage aujourd'hui, ça va être le petit tour pépère autour du lac, le dimanche avec plein de monde qui se promène, mais ça a son charme aussi. Donc aujourd'hui, il fait plutôt sympa parce que il y a un petit peu de soleil, ce qui est assez rare dans ma région parce que j'habite en Lorraine et ça faisait presque un mois sans arrêt où il a quasiment on n'a pas vu de soleil quoi. Et là, bah, ça y est, il sort un tout petit peu. Il est encore un peu timide, mais ça va quoi. On commence à le voir quoi. Donc ça, c'est sympa aujourd'hui. Donc je vous emmène avec moi. À tout de suite. Pour faire le tour du lac de Gérardmer, il y en a pour 6 km et demi, donc 1 h 30. Enfin, moi, je marche assez lentement, donc c'est 1 h 30 de marche. Pour venir jusqu'à Gérardmer, pour les gens qui ne connaissent pas, donc moi, je viens depuis Nancy. Quand j'y vais, je prends direction Épinal et depuis Épinal, c'est indiqué. Sinon, on peut venir aussi depuis Remiremont, depuis Saint-Dié et depuis Colmar, mais à chaque fois, c'est super bien indiqué depuis assez loin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les Vosges, dans le nord-est de la France. Ce qui est sympa l'été, c'est qu'on peut aussi aller se baigner, faire du canoë-kayak. Bon, moi, j'en fais pas trop. Vous pouvez aller boire vos petits verres au bord de l'eau. Vous pouvez pique-niquer. Et bon, quand il y a beaucoup de monde, bah, forcément, on voit où les gens peuvent s'installer. Sinon, bah, quand c'est un petit peu en basse saison, le plus simple, c'est de demander soit à l'office du tourisme, soit aux gens qui sont sur place. Alors là, c'est un gros sapin qui est couché tout le long du chemin. Alors j'ai dû monter par la petite montée là qu'on voit ici là comme ça, tête, tête, tête. Parce que j'arrivais pas à grimper, je voulais pas me salir. Ici, c'est un endroit où je venais en fait quasiment tous les ans avec mes parents. C'était nos vacances à nous. C'est pas trop loin de la Moselle. Et il y a toujours cette ambiance à la fois populaire, simple et un petit peu folklorique aussi, que j'aime bien autour du lac Gérardmer. Et c'est vrai qu'on est Quand on revient de là, on est toujours tout bien requinqué. Et c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Là, on est en plein hiver, c'est super agréable. Bon, il y a de la neige, c'est un peu dangereux, on peut se casser la figure. Mais voilà, quoi, c'est sympa, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Je reviens sur le tour du lac. Il faut savoir bah, qu'il y a une partie qui est assez escarpée. Alors, je vois souvent les réactions des gens quand ils voient le panneau poussette interdite. Et c'est vrai que ça fait un peu restrictif. Mais en fait, c'est pour une bonne raison parce que quand vous faites le tour, c'est dans les rochers. Et franchement, c'est casse. Voilà quoi, c'est un peu risqué quand vous y allez. Vaut mieux vraiment prendre votre temps quand vous y allez. Bon, moi j'ai pas, je veux dire, en hiver, bon, c'est sûr, j'ai mes baskets, mais en été, bah, des fois je suis en claquettes. Mais voilà, je prends mon temps, je regarde bien où je marche. De toute façon, vous verrez que vous aurez pas le choix quand vous ferez si vous voulez faire un jour le tour du lac. Donc il y a une partie un petit peu aménagée, hein, proche du centre-ville, une partie près de la route et une partie où c'est carrément des rochers. Donc c'est aménagé bien sûr, mais voilà quoi, vaut mieux regarder où on marche.
cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie. Sachez que tous les lundis, je fais des vlogs nature. Les mercredis, je fais des vidéos de vie quotidienne. Et tous les vendredis, je publie une vidéo de création. Donc, si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part, abonnez-vous.